certain de dire du mal de tout le monde à longueur de journée. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Après Nelson, Chantal Latsou revient, elle est mercredi au Grand Angle à Voiron, dans une nouvelle comédie Peau de Vache. La comédienne joue ici Marion, une pinailleuse professionnelle qui contrôle tout, jusqu'aux maîtresses de son mari. Elle est molle. Le catalan Jordi Galli est à la rampe d'Échirolles mercredi et jeudi. Dans T, tout est question d'équilibre et d'assemblage d'objets. Jordi est danseur équilibriste, il joue avec des poubelles, des poutres et des roues de vélo. C'est une installation entre poids et contrepoids. En arrivant, j'ai entendu à la radio un artiste qui faisait une reprise de Bob Marley. Pierre-Emmanuel, JPE, est à la basse-cour jusqu'au 13 janvier. Il est belge, il est plutôt trash, il livre sa vie de trentenaire qui vit chez sa mère et qui n'arrive pas à vivre de son métier. Cette célèbre émission qui permet de découvrir des jeunes talents en France. Non, The Voice Belgique, ça permet juste de... Et puis ne manquez pas l'exposition de Mathias Poisson, graphie du déplacement au Vogue de Fontaine, rencontre avec l'artiste. Je présente une série de cartes subjectives. Ce sont des cartes qui racontent des lieux que j'ai visités et que je transcris, que j'écris à travers mes sensations ou mes impressions, plus qu'à travers une réalité géographique, scientifique. Il y a une belle série de cartes autour de la Méditerranée, qui est un territoire que j'ai beaucoup exploré, avec des cartes d'Alger, de Oran, de Beyrouth, de Marseille, de Naples, Istanbul aussi. Et bien étrangement, ça parle beaucoup aux gens de leurs propres impressions et de leurs propres représentations de lieux qui peuvent être très différents. Je pense qu'il y a quelque chose de l'effet miroir qui se joue, puisqu'on est habitué à voir des cartes souvent qui sont pré-mâchées, qui sont très simplifiées, qui ne sont pas de très très bonne qualité. Par contre, elles sont beaucoup plus présentes qu'avant dans notre vie quotidienne. Et je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes, c'est ce qu'elles me disent en tout cas, ça peut faire du bien de voir d'autres représentations des territoires.